pour contrôler et approuver les budgets. Et contrôler. Il faut, dans cette même ordre, dans même ordre de ça, faut séparer judiciaire là de l'exécutif. De pour président capable de nommer, révoquer ou commissaire gouvernement, le levé, pas j'aime bien la justice. Parce que parquet a vint sous ordre exécutif. Mais son procureur, il a raison. Écoutez, il doit nommer lui, mais il connaît le nommer pour un nombre d'années, un mandat, et il n'a pas qu'à renouveler. Donc là, ça, nègre là, qu'on n'a pas qu'à révoquer, mais il connaît tout, il n'a pas besoin de faire rien pour président renommer encore. Il a tourné peut-être, on demande après, on va faire comme ça. Deuxième bagaille qu'on a besoin de faire qui est essentiel dans la Constitution, c'est l'intégration diaspora. Ça, essentiel. Parce que nous pas capables de vivre d'un côté A pendant toutes ressources nous gagnons, ressources humaines, ressources financières, capacités techniques, sans dehors d'Haïti, la vie, je veux dire. Et puis nous refusons au doigt. Mais alors là, justement, docteur Loss, on a vu par exemple la commission Tardieu, nous, et ça le fait, la possibilité pour y amender la constitution. Eh bien, nous raté l'occasion pour nous défaire, ils n'ont pas fait. Alors, comment comprendre que Barrensac fait pendant combien de temps, a dépensé beaucoup d'argent? Et ils n'ont pas jamais penché sur lui, la dernière session hein, qui finit la pratique. Non, même pas voulu faire amendement. Oui. Pas faire amendement. Comment on prend le corps législatif pour le vote en bagage après du pouvoir? Ou pas j'aime ça? Ou pas j'aime bien ça? Évidemment, donc, là, dans ce cas, ce serait une, c'est une nouvelle constitution. Nouvelle constitution, c'est peut-être ça nous dit nous besoin de transition. Transition, il y a trois bagages là-dedans. C'est dit non, on a dit quatre. Une nouvelle constitution, donc assemblée constituante, un dialogue national autour d'un projet. Jusqu'à 2054, pour fêter 250 ans d'indépendance. Troisième balien, c'est un CEP permanent, pour une finale avec affaire, CEP provisoire ça. Et puis quatrièmement, des élections anticipées, qui fêtent dans un cadre acceptable, côté que problème base de données électorales là, résoudre. Parce que je dis, nous avons un gros problème dans la base de données là, par un nègre qui prend le brin, quatre démalogues pour aller faire élection, pendant que démalogues là, le nomme l'exécutif. Il faut rapatrier à ce CEP permanent la gestion de la base de données. Donc l'ONI doit être transféré au CEP. Quatre bagages, ça, il faut le résoudre. Quand il résoudre, ou après le pays a changé. La source d'instabilité, ou René Préval te dit, c'est la Constitution. Donc immédiatement que la Constitution son source de d'instabilité, son source de corruption, je dis. Son source de corruption. L'on change li, ou après que le pays a changé à ce moment. Et nous pour aller vers un gouvernement qui a pouvoir dans mer, un parlement qui a un rôle li, un judiciaire qui a un rôle li, un CEP qui a un rôle li, les institutions vont être rétablies. Nous assistons, Alex, à la décomposition de la société haïtienne, à la décomposition des institutions haïtiennes. Que Martelly commençait, que Jovenel finit. Depuis Soubreval li commençait. Donc les 10-15 dernières années, nous avons une destruction institutionnelle, il faut nous remettre institution haïtienne campée. Oui. Alors, docteur Boulos, invité aujourd'hui dans le Carrefour, on a quand même un problème. Et ça fait longtemps que tout le monde a dit oui, mais c'est quand on a comme l'impression que c'est, j'allais dire, c'est la rue qui a parlé. Hein. Maintenant, du point de vue institutionnel, alternative d'abord aux jambes nettement dégagées pour le fond consensus beaucoup plus général. Tout le monde parle de changement de système, mais là encore, il faut mettre en question le fait que nos partenaires, nos amis, nos amis traditionnels, hein, ont influence quand même sur la politique haïtienne. Et là, on a l'impression que c'est leur intérêt qui prime au détriment de l'intérêt d'Haïti. Et ce sont des partenaires quand même. M'bata dit le comme ça, Alex. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions mea culpa nous. L'international souffre de la fatigue d'Haïti. Quand même, nous fait depuis 86, nous faisons une transition qui n'a jamais fini. En fait, nous n'avons jamais fait transition. Maintenant, c'est vrai tout que nous jouons un rôle de l'heure parce que nous avons Haïti fatigue là. Yo chercher la solution la plus facile pour yo. Dans ça qu'a fait aux États-Unis aujourd'hui là, m'a quoi Donald Trump, son problème Haïti besoin de vendre. Donc, l'a chercher la solution la plus facile. Mais on s'est arrivé. Blanc français a pas tendance en 1803, peuple haïtien t'a fait le tendre.
Et mais peuple haïtien a fait tout le monde entendre, je veux dire. Que ce soit bourgeoisie, que ce soit homme politique, que ce soit international, peuple haïtien a parlé. Elle parlait fort. Je crois qu'il y a un monde qui a contesté la gigantesque manifestation que fait vendredi dernier. C'est pour une fois où ça en aille. Alors justement, je vais sur ça, le Pierre Boulet, si on regarde sur Facebook, là, les réseaux sociaux, évidemment, tant de gains. Il y a un peu de voix monter là-dedans. Tout le monde qui même dit qu'il y a un problème avec Jovenel Moïse, il faut affaire de, d'argent, que, lui, écoutez moi, ou qu'il y a tout sur Facebook, et que c'est ça que l'auteur tout ça, et qu'on a financé en série de bagages. Ou financer en bagage opposition? Oui, me financer et brigade pour diminuer la violence de la manifestation. Ou financer brigade qui pour diminuer, clair. Qui pour diminuer, il dit que nous avons des mounes qui dans la manifestation, qui empêchent les mounes de faire violence. Et là, on finance ça? Oui, mais paye pour ça. Parce que c'est un beau bagage, on fait. Ou pas, j'ai une manifestation, on va te dire passer. Par contre, coup de violence. Et par contre, ça arrête le passé sans violence, non? Et par contre, ça arrête, oui, on fait ça. Mais est-ce qu'on finance pour moun sorti dans la rue? Bon, on pense qu'on a fait 100 000 moun sorti. Combien qu'on peut mettre dehors là? Mais on s'est arrivé, l'homme t'a dit ça, c'est une insulte au peuple haïtien. Alors, peuple haïtien, grand quoi, pas qu'il doit sortir. Peuple quoi, tu as sorti, m'a t'en dit, c'est moun qui fait sorti. Peut-être gaz encore sorti. La France, les gilets jaunes sortis, ben j'aime bien dire que c'est l'argent qui fait le sorti. Pour ça, c'est parce que c'est peuple haïtien qui sorti, nous dit que c'est l'argent pour faire le sorti. Ou pas de répéter ça, Alex, honnêtement. Non, mais alors, non, il ne faut pas répéter ça. Parce que les gens parce que c'est une insulte aux millions d'haïtiens, aux milliers d'haïtiens, qui ont souffert de grand goût, qui ont souffert d'insécurité, qui ne sont pas capables encore, qui ont demandé la santé, qui ont demandé l'éducation. Soutenons le peuple haïtien de préférence. Oui. Non, ne les accusons pas de choses que y a pas rien pour faire. Oui. Combien de monde qui t'a mis à moins que chaque monde a reçu 5 cobs. Bref, en tout cas, même là. Mais là encore, c'est une insulte. Oui, j'ai vu vendredi, j'étais là sur place vendredi, moi ça passait. Bravo. Quand même, non, c'est une question comme tant d'autres que mon a parlé, donc il faut faire reclassification. Moi, je suis éternel pour ça. Bon, éclaircissons Tibaga Oudila. En 2017, ils ont fait un appel d'offres. Et l'appel d'offres a demandé que faut bailler crédit là-dedans. C'est-à-dire que faut vendre le gouvernement à crédit pour 4 ans. Moi, j'ai parti à l'appel d'offres là. Moi, j'ai livré tout équipement de pour me livrer. Mon document est le certificat d'accomplissement. Mais j'ai doué moitié comme là parce que j'ai 2 ans encore pour me toucher. Et bien, moi, j'ai doué. C'est où doué. Donc, je ferme mes parenthèses ça. Ouais, parce qu'on en parle tellement. Alors, maintenant. Et Alex, ouais, grande bonne question. Bagay, ça va parler. Puis, ça qui est terrible là, c'est que. Nous avons son leader politique, opposition, qui dit lui. Forme du l'homme, nous avons des gens qui parlent. Je n'ai pas besoin de citer non. Mal dans la radio, je me dis qui a parlé là. Est-ce que c'est Libéris qui a parlé? Parce que c'est quand c'est porte-parole journal qui t'a parlé pour vous mentir sur moi. Écoutez, la réalité, Alex, c'est que. On va dire beaucoup de choses de moi aujourd'hui. Je suis un homme politique. Je considère que je constitue un parti politique que je respecte aujourd'hui. Je ne dis pas fort parmi personne, mais je considère que je suis fort. Donc c'est normal pour attaquer. Je gêne. Oui. Je gêne aujourd'hui. Et je gêne tous ceux qui font de la contrebande. Je gêne tous ceux qui font de la corruption. Parce que Réginald Boulos n'a pas besoin de contrebande. Réginald Boulos n'a pas jamais fait contrebande. Réginald Boulos n'a pas jamais servi à la franchise. Réginald Boulos fait 62 ans en Haïti. M'étudier petit séminaire au collège Saint-Martial dans mitan Belay. M'étudier médecine moi, faculté de médecine. Moi professeur faculté de médecine, me fait 14 ans de travail Cité Soleil, Raboto, Cassoleil, Wanamet m'a fait la santé. Moi pas besoin l'état pour mal prendre un goud quand tout ça fait avant mieux. Monsieur Carrefour, docteur Réginald Boulos, notre invité aujourd'hui, une question qui est importante pour un pile monde qui vit à l'étranger, capitaine Jodian. Pour moi, qui est fondamental, ça fait longtemps que je ne dis contribuer, mais regardez le dernier rapport de la BRH qui dit que à peu près presque 1 milliard de octobre 2018 à février 2019, une gros partie de l'agence a sorti États-Unis, une autre partie qui sorti Chili, une autre partie sorti Canada. Mais là, justement, on a dit le dialogue avec la diaspora. Maintenant, quel dialogue? Depuis combien de temps, on y a demandé ou intégration, même droit de vote, n'ont pas gagné, on a vivre à l'étranger. Maintenant, en plusieurs fois, tentative, ça arrivait, il n'y a pas jamais occupé. Comment intégrer cette diaspora, puisque il y a dehors, il n'y a pas grand café, là, attendez, comment vous avez intégré dans la chose publique? D'abord, c'est une réforme constitutionnelle, nous sommes tous ça là, réforme importante. Il faut donner à la diaspora
tout droit civil, politique que haïtien qui vivent en Haïti gen, sans indiscrimination. On va deux exemples. On va deux exemples. Michael Jean, c'est probablement l'haïtienne qui a occupé le plus grand poste politique en dehors d'Haïti, qui vient ensuite secrétaire général francophonie. Alors, papa, c'est Michael Jean qui a un rôle qui a joué dans le pays aujourd'hui. C'est extraordinaire que nous refusions que s'il t'a avlé demain matin pour le candidat à la présidence, il n'est pas cap candidat à la présidence. Un bon autre exemple encore. Ma bonne deux autres pour le temps de San Blue. Footballeur, Duquesne Nazon. Il est nationalisé belge. Belge, je dis. Français ou belge, même quoi c'est belge. Donc si Duquesne Nazon a joué pour nous, li bay gol, nous allons mourir. Mais si Duquesne Nazon demain vient dire le candidat, il a dit que belge ça a sorti. Oui, Naomi Osaka. Ah, je parle de Naomi Osaka. Naomi Osaka est née de père haïtien. Donc elle est d'office haïtienne. Ça n'est pas même considéré ça. Naomi Osaka n'a pas un cas naturalisé, non. Son cas qui naît de père haïtien. Ouais. Donc elle est automatiquement haïtienne quand elle le fait là. Mais elle a pris la nationalité américaine, moins comme japonaise, baron Zalier. Japonaise. Le gagné US Open, non. Que haïtien vibré. Il recevait, il revenait à Haïti, nous recevait dans le palais. Il menait la visite de citadelle. Maman de pardon, Naomi t'a dit. Les candidats en Haïti. Je t'ai dit que japonais ça a sorti. Oui, oui. Alors, mais ça crée ça. Ça crée ça finalement. Non, c'est un monopole. C'est un monopole de la classe politique pour empêcher aux hommes compétents, tels que Siméus, même Wyclef. Je mets Wyclef dehors. Par contre, si Wyclef t'a pris un bon président, je vais commenter. Mais laissez-le la lutte se faire. Que le meilleur le gagne. C'est qu'en coup, yo connaît yo pas bien perdu l'élection devant Wyclef. Et puis, il y a le point Matéli. Si Wyclef t'a fait mieux que Matéli. Alors, évidemment, c'est pas là. Évidemment, c'est pas le peuple qui a décidé, c'est un groupe monde qui décidait pour le peuple, finalement. Puisque Gontry qui fait, et l'ensemble, ça, c'est peut-être un barrière à faire. Comment intégrer cette partie-là? Parce que jusque-là, Noël, mais comment intégrer là? Comment arriver à cette constitution, la dynamique que nous aujourd'hui? Hein? Mais c'est de ça, nous, même moi, Alex. C'est-à-dire que la transition doit accoucher d'une constitution qui donne à la diaspora tout droit lié. Ensuite, faut permettre à la diaspora de voter côté lié. Ça se fait dans beaucoup de pays quand on peut voter dans l'ambassade. Faut faire ça puisque nous allons éventuellement, pas grand péché que la diaspora enregistre comme électeur, prend 4 signes, puisque là, ça a tout droit, là, il y a 4 signes tout. Faut 4 signes disponibles, même si on a un passeport en dehors de d'Haïti, il y a 4 signes en dehors d'Haïti, faut la diaspora joindre 4 électoraux pour être capable de voter tout. Faut que quelque part, quel que soit diaspora qui a une double nationalité, il doit briguer n'importe qui poste. Son seule question à poser le ça, faut le remettre deuxième nationalité pour le Québec par Haïti. Tout comme Michael Jatte fait le balle, il a une nationalité française, il remet pour le Québec. Exactement. Donc, il faut permettre lui, faut ouvrir des bureaux pour la diaspora. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais elle ne fait rien. Là, ça va ballon valeur. Ou à ballon valeur côté que le pral mette bureau yo dans différentes grandes zones yo. Boston, Brooklyn, Miami. Il y a des grandes zones. Je dis à Chili. Ou quand on est aujourd'hui à Chili, c'est la deuxième source de transfert vers Haïti, ouais. Après les États-Unis. Avant même Canada. Avant Canada, avant République Dominicaine. Ouais. Son gros bagaille. Donc, je dis, il faut nous occuper, il faut nous avoir des bureaux qui occupent la diaspora, et c'est ça le rôle du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est pour le ministère qui est à Port-au-Prince qui a mangé corps. Oui, docteur Reginald Boulas, allons droit au but. On dit que maintenant on entre vers une transition. Qui forme transition ça t'apprend? Comment y arriver? Qui mounge pour là-dedans? Alors, d'après Vision Power, comment elle t'a doué? Combien de temps ça devrait ou pourrait durer éventuellement? Et comment arriver à coucher ce que Empire Moun a cherché? Bon, la Constitution de 87 donne comment ça doit se faire. Parce que pour moi, je dis à la, son seule Constitution guerre, c'est la Constitution de 87. Parce que je ne peux pas parler de ça, elle est la Constitution amendée. Puisque la Constitution dit tous nos actes sont en deux langues.
Rome, une constitution créole 87, qui n'a jamais gagné ou l'autre, il dit que c'est le président de la Cour de cassation qui prend pouvoir lors de la démission du président. Eh bien, on a fait immédiatement. C'est ça qu'on a fait. Deuxièmement, on a fait avec les forces politiques, inclus ceux qui sont au pouvoir. Parce que moi-même, je compte chasse aux sorcières. Elle dit que 2004, nous courons des 2086, nous courons des Duvalieris, 2004, nous courons des Lavalas. On doit faire le rassemblement. Donc on doit monter un gouvernement d'unité nationale qui gagne en tête un homme politique, mais qui a les compétences techniques pour mettre, pour faire les grandes décisions de réforme minimale. Parce que seul un gouvernement élu est capable de faire grandes réformes. Mais il faut faire les réformes minimales. Ou peut-être parler de combien de milliards de gouttes de déficit que nous fait à date. Bon problème de prix gaz qui sont gros problèmes qu'a fait n'importe qui monde. Mais c'est certain. Si gros monde qui pas qu'à manger prix gaz, il y a le Jovenel Moïse. Donc, en fait, Jovenel Moïse pas qu'à faire rien. Il est là, mais il pas là. Il n'est pas dirigeant rien. Donc, il faut aller vers un gouvernement d'unité nationale avec des compétences techniques. Il faut mettre, comme il n'y aura pas de parlement, l'autorité nationale de transition. Alex, tout ceci est bien écrit dans l'alternative consensuelle. Où on s'est embêté? Pendant des mois, il dit opposition divisée. Finalement, nous faisons effort, secteur démocratique, FOP qui vient là dans le Petite Dessalines, qui vient là dans le Mopod, Troisième Voie, et des centaines d'organisations sociales ont signé et ont présenté à Mir Balay l'alternative consensuelle. Quand on a parlé, on dit oui, mais il y a tel et tel. Mais nous pas qu'à faire l'unanimité. Il y a ce qu'on appelle en politique la masse critique. Nous faisons masse critique de proposition. Proposition très claire. Le président de la Cour de cassation, un gouvernement de consensus et d'unité nationale, les réformes, le procès Petro-Caribé, la nouvelle constitution, le dialogue national, un nouveau CEP permanent et les élections. C'est écrit dans le... Ça fait combien d'années à peu près? Bon, nous-mêmes, nous pensons... M'a dit qu'il y a une différence, il y a mon guitare même duré un an, pas plus. Moi-même, pensé meilleur bah là, c'est que le fini mandat et président. Bien entendu, on caveat dans ça. On caveat dans ça en ce sens que, parce que comme il y a une nouvelle constitution, on par contre mandat encore. Mandat arrêté. Ou peut-être que la nouvelle constitution désormais, on va dire, c'est 4 ans. Donc, moi-même, pensé que, de manière rationnelle, on ne pas faire trop long, parce que le peuple a besoin de solutions définitives. On ne pas faire trop court pour ne pas être fini. On a dit 2 ans, c'est maximum pour une transition ta faite, pour nous arriver à un gouvernement élu, dans un contexte constitutionnel qui a changé, un président qui a tout pouvoir, un parlement qui a pouvoir pâle, et un judiciaire qui a tout pouvoir. Il y a ceux qui pensent que Jovenel Moïse, comme président, a dû présider transition ça. Pourquoi ce peuple s'en prend? Eh bien, pour répondre. Eh bien, ils ne vont pas prendre. Donc, on ne va pas jouer avec les sérieux. Monsieur, chaque jour qui passe, c'est des enfants qui meurent. Ouais. C'est des enfants qui ne vont pas à l'école. C'est des parents qui sont bloqués chez eux. C'est des universitaires qui ne peuvent pas sortir. On connaît à souffrir. Et m'a dit la facilité aurait été de dire oh, mais il faut quitter Timounio à l'école. Mais on n'a pas quitter Timounio à l'école, puisque nous, comme président, nous ne pouvons pas gérer rien. Il faut finir avec cet état de choses aujourd'hui. Nous n'avons pas le choix. Il est clair, nous n'avons pas le choix. Mais il faut une transition sérieuse. Et moi-même, Mabdou, Troisième Voie, pas intéressé à participer à la transition. Parce que nous sommes jeunes partis, m'a créé, nous avons une vision, nous avons un manifeste. Manifeste moins clair côté de aller. Nous avons des idées claires de gouvernement d'état de droit, de justice, de lutte contre la corruption, de la santé et d'éducation que nous voulons mettre en place. Nous d'accord à feuille de route alternative là, mais nous avons un gardien qui a veillé feuille de route ça. Parce que, il faut que n'ait pas pensé, il y aura là pour bambiner également. Il faut que la feuille de route soit une feuille de route sérieuse et que ceux qui sont appelés à l'appliquer, ils le fassent de manière sérieuse. Oui. Non, puis Monsieur Carrefour, docteur Reginald Boulos, c'est invité une journée à Carrefour, c'est lui qui, membre important. Finalement, Troisième Voie, vous êtes secrétaire général ou quoi? Je n'ai aucun titre dans la Troisième Voie. Il n'y a pas de titre? Non, le coordonnateur provisoire de la Troisième Voie, c'est un jeune de 31 ans qui s'appelle universitaire, qui a fait l'INAGE, qui s'appelle Chaud Simpsi Kazir. Et je me considère comme l'architecte. L'on architecte, ce n'est pas pour vous, Kaila. Kaila, c'est ingénieur qui a construit, c'est tout le monde de la Troisième Voie qui a construit. Et en Kaila,
c'est le peuple qui a construit. On va retirer une possibilité, docteur Boudos, candidat à la présidence. Pour qui ça peut retirer un candidat? C'est choix pas. Coucou tout haïtien. Coucou Alex. Alex est rentré dans le troisième mois et puis il dit que c'est candidat. C'est primaire, nous ne pas le faire. Est-ce qu'il y aura des primaires? Hein? Est-ce qu'il y a des primaires? Il y a des primaires dans toute portion. Depuis Kazek jusqu'à président. Et on s'est l'homme dit ça, oui. Vous m'avez oublié. Longtemps, longtemps, du parti fait primaire, il dit comme ça, tu n'as pas le coûter. Il n'y a pas comment le faire. Je dis à téléphone, nous permettre de faire primaire de tous côtés. Puisque les partis seront enregistrés, et les membres seront enregistrés, même ils auront un carte, ils auront un téléphone, ou vont en question pour eux à travers Digicel.com. Il y a un programme qui fait ça. Ou dit un, c'est Alex, deux, c'est Gauthier Bernard, trois, c'est Réginald Boulos, quatre, c'est Steven Benoît, et puis ils ont choisi X. Et c'est candidat, celui qui a gagné le plus. Et c'est même rationnel, et Alex. Quand il me dit ça, il dit, ah, c'est une bêtise, je vais passer, non. Il dit, mais si je perds au primaire, ça veut dire que je ne vais pas perdre l'élection. Ça m'a séché. Si je perds au primaire, même pas ma goumé, pour mieux primaire. Parce que je suis candidat à la candidature. Je pense que je peux apporter ma connaissance, mes compétences, mon passé. Mon track record, mes réussites à ce pays. Tout ça me gagne comme bien. Son entreprise m'a acheté en faillite. Et me mettait me faire tourner mon entreprise qui a marché. Est-ce que c'est la même chose, vous pensez, pour un pays? Oh, absolument. Parce que je me dis un petit bagage. Vous connaissez que toute entreprise m'a acheté qui en faillite là, il n'y a pas de gros problème de personnel. Il n'y a pas de gros problème de produit. Il n'y a pas de gros problème inhérent à ce affaire. Il y a un manque de vision, il y a un manque de discipline, un manque d'application. Un pays doit avoir une vision. On n'a pas de vision. Je vais mettre là déjà sous dans mes micros ça. Rêve haïtien, je dis à les canotes. Nous pas qu'un pays qui a vu dans le désespoir. Il faut retourner à l'espoir. Et encore tout à l'heure, l'âme saute du monde ça. Il y a 5 lumières rouges qui marchent dans Port-au-Prince. Maintenant, 5 lumières rouges ça, si je me souviens, il faut me garder si je suis sous rouge là, pas passer quand même. Prends moi même ça, mais dans Miami, la campagne dans toutes les lumières rouges. Donc, nous n'avons pas de problème. Nous avons un problème de structure, nous avons un problème d'état de droit. C'est-à-dire que je dis à prison haïtien, où tu as mis ton pancarte devant qui dit. Interdit à moun qui gagne l'argent et moun qui gagne connaissance. Mais de pour passer certificat, on parle dans la prison. De pour gagner quoi, vous parlez dans la prison. Mais coup de bourgeois qui a fait contrebande, rivé dans la prison ou après contrebande campé. Et Réginald Boulos a mis deux bourgeois ça dans la prison. Alors, si justement, si on pas suivre la loi. Justement, ça, c'est la justice de la troisième voie n'a ni couleur de peau, ni quantité d'argent, ni classe sociale. Elle est aveugle. Elle est une fameuse humanité. Elle est aveugle. Mais ça a tendance tellement à amplifier dans toute sphère société. Hein, parce que là, vraiment, c'est pas les bourgeois. Pas d'accord avant. Pas d'accord avant, Alex. Majorité peuple qui a mouru en Congo, pas de corruption. Il cap fait petit business. Mais écoute, tout est relatif dans la vie. Elle dit que c'est peut-être ça le métal cité solaire l'autre jour. De ouvrir Bram, de dit Côte Bandio. Parce que toujours dit, nous, c'est les bandits sont à Cité Soleil, les bandits sont à la Saline. Mais les vrais bandits sont au Palais National, les vrais bandits sont à la bourgeoisie, les vrais bandits sont au Parlement. Ces bandits, ça, vous n'allez le faire, mais d'abord. Nous ne pas parler de petits peuples là. Écoutez, Cité Soleil fait ZAM. Cité Soleil, je ne vais pas entrer mon boutique ZAM. Je vais avec Cité Soleil prêter comme la banque pour l'acheter ZAM. Donc, mon côté ZAM là sorti. Dernièrement, il y a peut-être 4-5 mois, nous t'étendons, la police saisit, on a fait de 10 conteneurs, et puis subitement, le conteneur lagué, on va jamais prendre ça que tant de conteneurs. On doit avoir l'état de droit. Elle dit qu'il n'y a aucun pays qui peut arriver. Kagame, c'est pour lui faire, oui. C'est la discipline et l'état de droit, le mettre, oui. Et pour moi, idole, moi, c'est Kagame, je veux dire. Nous pouvons, Kagame a fait du Rwanda la perle de l'Afrique aujourd'hui. Oui. La troisième voie va faire d'Haïti la perle d'Haïti encore. Ça veut dire Kigali, la plus belle capitale de l'Afrique, pas au près, plus belle capitale de la Caraïbe. Mais écoute, je construis le plus grand centre de convention
d'Haïti, et j'ai construit le plus beau showroom de Nissan de la Caraïbe. Ça n'est pas moi qui dis, c'est Nissan qui dit. Non, j'avoue. Hein? Oui, j'avoue. Ah, donc, quelque part, nous qu'a fait. Faut nous suspendre pessimiste. Faut nous suspendre baisser bras nous. On lève bras nous. On met les bras nous ensemble. On kebe mais une autre. Nous qu'a fait. Ça me persuadé de lui. Et à 63 ans, c'est ça la vision du reste de ma vie. Alors, docteur Jean Boulowski, invité de jeudi dans Carrefour, on a quelques aspects. Par exemple, nous vraiment faibles économiquement avec une catastrophe, le budget, une catastrophe économique, on bagaille, qui asphyxie, anémie. Et maintenant, il va falloir qu'on groupe paraître, les gagnent moyen en même. Comment avoir les moyens que nous avons besoin et combien de temps ça va prendre pour redémarrage vraiment réel de pays, ça, l'envision parle. Mais les moyens sont là. Je n'ai même pas volé. Les moyens sont là. Contrebande. Moi, je dis 450 millions de dollars contrebande. 300 millions de dollars impôts sur le revenu. Nous, c'est le seul pays qui n'a pas criminalisé la faute fiscale. Il y a un rare pays. Et dit mon premier ministre, pour le premier ministre, là, il paye 5 ans à la veille et puis il bat bravo pour lui. C'est dans la prison que ça a été. Moi-même, l'autre jour, je publiais combien de paye l'année dernière. 2018-2019, parmi dans mes entreprises. 18 millions de dollars américains de droits et de taxes. J'ai souhaité tout le monde payer taxes. Bah, j'aime ces vagues franchises. Si je suis sous dôme, je t'avoue EDM déjà. Quand je connais, il y a PC fabriqué des bagages sous dôme. Je ne peux pas dire là, mais je connais ça qui a préparé. Mais il y a des gens qui révoquent pour ça, parce qu'ils n'ont pas accepté de faire montage. Je ne vais pas citer non. Mais le moment voulu, m'a cité non. Vous parlez avec le président Moïse, Jovenel? Absolument pas. Ça me va le dire avec elle. Tout ça me dit, lui, me dit le 18 novembre 2018. Ouais, si le président Jovenel t'a écouté ça me dit le 18 novembre 2018, non seulement le patap là à la veille de perdre du mandat, pays à tape loin. Où est-il qu'il y a trois chefs? Trois chefs qui... Non, il n'y a pas trois chefs, il y a un seul chef. Et le Michel Martelly. Et c'est ça que je me dis que je t'ai répété par Michel Martelly. Je me dis que pas qu'il y ait deux présidents dans le pays. Mais il a décidé d'être la marionnette, le zombie de Mais vous persuadez que vraiment les marionnettes de lui. Oh, mais écoutez, Jean Rissé a nommé premier ministre. Jean Rissé n'a pas mis ton ministre. Jovenel Moïse n'a pas mis ton ministre. Tout ministre, tout le monde comme ça. Et Martelly met tout. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? Écoute, allons devoir regarder le passé. Parce que pour moi, c'est du passé. Je ne dis pas PHTK, c'est du passé, non. La corruption PHTK est du passé. PHTK peut se réorganiser, enlever les oranges pourries et se réorganiser avec des oranges jaunes, normales. Moi-même, pas faire chasse aux sorcières. Quand on lave à l'as pour organiser, nous sommes là pour l'unité, pour le rassemblement, le grand rassemblement, la grande alliance nationale. D'ailleurs, il y a un mot, il vous l'a dit, grand. Trompe qu'on dit Make America Great Again. Moi-même, je ne dis pas Haïti grand encore. Mais je dis Haïti grand. La grande alliance nationale, l'alliance entre la bourgeoisie progressiste, entre la classe moyenne intellectuelle honnête, entre le peuple haïtien, entre la masse du peuple haïtien. Moi-même, Regina Boulos, son seul côté mien, je dis, dans le peuple là, à côté peuple là, dans le peuple là. Ou un ticket, enfin, en finale, Regina Boulos, Michel Martelly. Je ne parle pas comment pour Michel Martelly dans l'élection avec Petro-Caribé. Je ne parle pas ça. Vous pensez ça? Je préfère un final entre deux necks sérieux. Pas entre un neck sérieux et un vagabond. Dans un mot, belle finale entre deux necks sérieux pour que le peuple haïtien ait un vrai choix devant. Si je suis en pillage, finalement, c'est avec les Simaniga. Ah oui? Oui. Qui est quelqu'un que pour lequel nous avons pile respect. Il a un débat, il fait que vous brochez lui, mais son nez qui a une vision de ce qui a été fait pour Haïti. Les quatre mois de la présidence de Maniga, on avait vu quelque chose de totalement différent. Et c'est une plus gros crime l'armée d'Haïti fait. C'est le coup d'État contre Maniga. Et maintenant, de plus en plus, la Duvalieriste voulait retourner sous pouvoir. Et encore une fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas trempé dans
crime que les Duvalier fait, il y a rien droit là-dedans. Nicolas Duvalier est un jeune qui vient d'arriver. Bon, on a peut-être dit qu'il y a problème d'expérience, il y a problème de track record. Ok, mais les Duvalier, ils peuvent se réorganiser. Écoute, son bon bagage, s'il arrive peut-être à 3 ou 4 ou 5 grandes formations en Haïti, la troisième voie, Lavalas, PHTK, les Duvalieris, voilà les quatre. Mm-hmm. Voilà les quatre. Parce que l'homme de Lavalas, ça, mais le secteur démocratique et autres, je ne sais pas si je suis bien relation. Mais en fait, n'oublie pas que quand je